Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast test de l'oreillette Bluetooth Plantronics Discovery 975. I see you over there, clown walking. Keep it up, man. You got your wobble on. Alors la Discovery 975, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu l'oreillette Bluetooth la plus classieuse, on va pas se mentir, de la marque Plantronics, dont on ne fait plus la réputation. Tous les systèmes audio professionnels pour les secrétaires, quand vous les voyez avec leurs petits casques et leurs micros là, c'est du Plantronics. Les oreillettes que vous voyez dans tous les films, c'est un gros budget communication, mais c'est aussi du Plantronics. La Plantronics Discovery 975, c'est donc, bon, je vous montre sur l'ordi puisque j'ai le petit pince-bête à côté. C'est donc celle-là que je vais vous montrer, qui est ici. Tout est déballé puisque j'ai pas de trépied, donc ça va être fait un petit peu à l'arrache. Et ils avaient sorti une autre oreillette à une époque qui avait fait aussi pas mal de bruit, enfin qu'on avait vu dans pas mal de petites séries, notamment dans Desperate Housewives, etc. Et donc voilà, la Plantronics, elle est vendue dans quoi? Dans son petit boîtier en plastique. Bon, en même temps, c'est une oreillette, vous me direz. On la trouve aux alentours des 70€ sur le net, 67€ sur Amazon, avec livraison gratuite, etc. Donc, elle est vendue dans son petit truc en plastique. Dans cette partie-là, il y a tout simplement ceci, donc le boîtier avec au-dessus la fixation pour l'oreillette, les accessoires, etc. Comme je n'ai qu'une main, évidemment, j'ai tout déballé. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un chargeur micro USB, puisque ça se charge en micro USB, avec les adaptateurs pour pouvoir le brancher sur des prises étrangères. Je crois que ça, c'est les chargeurs US, si je vous dis pas de conneries, un truc dans le style. Ensuite, on a sûrement le petit manuel avec les différents réglages, etc. On a une autre petite brochure ici, for your safety, pour votre sécurité. Oh, c'est mignon. Ils sont gentils de penser à nous. On a ensuite, pour la petite oreillette, je vous ai toujours pas montré l'oreillette, hein, ça fait durer le suspense, deux petits embouts en gel qui viennent se fixer tout simplement en bout d'oreillette et qui vont ensuite dans votre oreille. Donc ça, c'est le petit, et ça, c'est le moyen, le gros étant fixé dessus. Ensuite, il y a ce petit truc qui ne sert à rien à part à faire bling bling. Ouais, t'as vu, j'ai une oreillette et je l'accroche avec un petit pendentif tout mignon. Je suppose que ça vient se fixer par là, quelque part, cette connerie. Et enfin, on a l'oreillette ici. Alors l'oreillette est vendue avec, enfin dans ce petit étui plutôt, que je trouve super bien fait. Je vous dis pourquoi. Déjà, l'oreillette Bluetooth à 70€, on sait pourquoi on la paye ce prix là tout est en cuir, en plus d'avoir une finition et une qualité d'écoute parfaite pour l'oreillette. On a donc ce petit étui, vous voyez sur le côté il y a un port micro USB, un étui qui se recharge. Qu'est-ce que donc, en fait, l'étui se recharge et recharge l'oreillette. Donc il y a un petit port micro USB dedans. Donc ça, vous voyez, vous avez même un petit écran et tout, c'est vachement bien fait. Vous avez donc un petit écran qui vous affiche la charge de l'étui, la charge de l'oreillette. L'étui permet de recharger deux fois l'oreillette. Vous avez donc trois charges complètes en ayant une oreillette chargée et un étui chargé. Donc ça vous permet de partir en voyage en oubliant votre étui, à moins que vous téléphoniez comme un imbécile. L'écran est rétroéclairé. Si je clique ici, l'écran s'allume. C'est quand même super bien fait aussi. Ça sert à rien en pratique, hein, mais c'est joli. Ça fait mumuse. Il y a ensuite ici donc un petit truc, hop, pour faire éjecter l'oreillette. On arrive enfin à notre petite oreillette Plantronics. Comme vous voyez, c'est quand même super classieux et super fin. C'est surtout ça, c'est super fin. L'étui donc d'intérieur, rien d'extraordinaire. Il y a l'emplacement de l'oreillette avec un petit port micro USB sur lequel vous venez fixer votre oreillette. Toi, tu dégages. Et nous, on va parler un petit peu de cette oreillette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a deux petites fentes ici. Enfin, il y en a une grande et au milieu, elle est séparée à ce niveau-là. Clac. C'est tout simplement les deux micros. Il n'y a pas de micro à l'extérieur. Il n'y a pas d'ouverture. C'est tout simplement deux micros qu'il y a dedans avec une triple protection contre le vent. Ce qui fait que même par grand vent, la personne que vous avez au bout du fil entend sans problème tout ce que vous dites. Et c'est réellement barjot. Moi, je me suis dit, ouais, c'est un truc marketing à la con. Je viens d'appeler sur le chemin du retour un ami qui viendra avec nous pour expérience USA 2011, afin de prendre des nouvelles un petit peu, de savoir comment ça se passe tout ça. Et ah ben là, on les voit bientôt. Et c'est barjot dehors, il fait un vent de taré, et en fait, en réalité, à l'autre bout du fil, aucun problème, tout se passe sans souci. Donc il y a des petites grilles à l'intérieur, comme je vous disais, trois protections, deux micros. C'est un peu comme sur les iPhones, pour quand vous êtes en mode vidéo, c'est-à-dire que ça capte le bruit ambiant, et l'un capte exactement que votre voix, et ça, ça enlève tout simplement les bruits ambiants de votre voix.
pour que vous soyez clair au bout du fil. Il y a en plus de ceci l'embout en gel, ça on en a parlé, qui permet de s'adapter parfaitement à votre petite oreille. Et il y a, je suis en train de chercher sur le truc ici en fait, c'est pour ça que ça bataille, je me souviens plus, enfin bref, il y a un système qui permet, je me souviens pas de la technologie, je crois que c'est Audio IQ 2, qui adapte automatiquement le volume de l'oreillette au bruit ambiant, c'est à dire que s'il y a beaucoup de bruit, l'oreillette va monter son son, s'il y a peu de bruit, l'oreillette va baisser sa sensibilité, etc. C'est super bien fait. Derrière, donc, vous avez votre port micro USB, il y a un bouton ici qui va vous servir pour plein de petits réglages, notamment pour le réglage du volume. Oui, un seul bouton pour le volume, c'est-à-dire que vous allez appuyer dessus jusqu'à ce que ça arrive au volume maximum. Quand ça sera au maximum, vous rappuyez, ça la met, ça coupe le son, vous rappuyez et ça remonte gentiment. Donc c'est crescendo, ça revient au début, crescendo. Et il y a ensuite, donc ici, cette partie-là est un bouton qui vous sert tout simplement à décrocher, raccrocher, à mettre en mode silencieux, c'est-à-dire que si vous restez appuyé, je crois que c'est 2 secondes, il faudrait regarder un petit peu dans le manuel, mais ça passe en mode silencieux. Et qu'est-ce que vous avez d'autre que moi j'aimais bien, le fait de pouvoir la synchroniser avec 2 téléphones. C'est-à-dire qu'une oreillette, ben, par définition, elle va se synchroniser avec un seul téléphone. Elle s'associe. Celle-là, ils ont mis une petite technologie bizarre à la con qui s'appelle Multipoint. La technologie Multipoint, c'est pas pour un écran tactile, qui permet donc de synchroniser votre oreillette avec vos 2 téléphones. Et ça, c'est top si vous avez 2 téléphones. Du coup, elle se pompe pas les réglages. Dès qu'elle s'allume, le BlackBerry ou l'iPhone la reconnaît directement. Ça, c'est nickel. Et ben, franchement, si vous passez beaucoup de temps au téléphone, moi pour expérience, là, j'appelais pas énormément. Et puis là, je passe franchement 3 heures par jour au téléphone avec des sponsors pour organiser un petit peu tout ça. Donc, une petite oreillette, c'est mieux que de choper un cancer du cerveau. Bon, ça émet toujours des ondes, hein, mais le Bluetooth, c'est normalement, je crois, 10 fois moins dangereux que les ondes GSM, GPRS, tout le bordel. C'est réellement de la bonne cam. Bon, ça vaut 70 euros, 67 euros, comme je vous ai dit. Sur Amazon, elle est à 67,48€ à ce moment. Ça coûte son prix, mais franchement, la qualité est réellement au rendez-vous parce que toutes les oreillettes se ressemblent. Et là, pour vous pas vous mentir, l'oreillette que j'avais juste avant, c'était un vieux truc que j'avais acheté avec mon premier téléphone presque. Et le vendeur à Orange m'avait dit non, 30€, elle tiendra jamais, c'est fragile. Hey, t'es connard, ça fait presque 10 ans que je l'ai. Pas 10 ans, j'exagère. Je suis Toulouse, Marseille, pas loin. Donc voilà, la petite oreillette Plantronics 975 à 67,48€ sur Amazon, vous faites mieux avec si vous voulez. Moi, réellement, c'est de la très bonne cam. Je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait quand on la mettait sur l'oreille. Je me suis planté de côté, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, ça fait réellement super fin. Il faut garder à l'esprit que j'ai des toutes petites oreilles aussi, mais ça fait, enfin voilà, c'est nickel. Niveau écoute, c'est parfait. Ça se met en place sans problème. Une fois que ça y est, ça ne bouge plus. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne fais pas plus long car je me répète. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. À très vite. Ciao, ciao. I see you over there clown walking.